Bienvenue dans cette superbe maison de la culture, cette mythique maison de la culture à Clermont-Ferrand où se sont succédés déjà de très nombreux talents, des musiciens hors pair, des danseurs géniaux, des chanteurs de renommée internationale. Et ce soir vont être sur cette scène des talents d'une autre nature, mais eux aussi synonymes d'engagement, d'investissement, d'utopie, il en faut, et de persévérance. Accueillir comme il se doit, qui mieux que monsieur le doyen pour lancer cette cérémonie officielle et j'ai l'impression un brin festive. C'est un honneur et un immense et sincère plaisir de me tenir ce soir devant vous, chers étudiants, pour célébrer votre réussite et l'obtention de votre diplôme de master en droit ou en AES, l'un des plus hauts diplômes délivrés par l'université dans un cadre, vous l'avez dit, aussi prestigieux à la mesure de l'événement et devant une foule si nombreuse. Permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations au nom de l'école de droit ainsi qu'en mon nom. Êtes-vous fiers de vous ? Êtes-vous vraiment fier de vous ? Oui ! Rompez les rangs, bon vent. Le premier mot, c'est bien sûr félicitations, bravo. C'est évidemment le fait d'être titulaire d'un master de l'école de droit, qui est effectivement une école qui est tout à fait, en pointe dans l'excellence clermontoise que vous avez évoquée, eh bien c'est en effet le fruit d'un travail important, c'est une belle reconnaissance. Nous sommes aujourd'hui collectivement heureux et fiers de lier votre nom à cette promotion d'étudiants. C'est aussi parce que votre parcours est une source d'inspiration pour nos diplômés d'aujourd'hui et parce que vos valeurs sont en phase avec celles que l'université en général et l'université Clermont-Auvergne en particulier cherchent à défendre et à promouvoir. Un moment d'émotion réelle d'être honoré aujourd'hui en étant le parrain de votre promotion. Et je voudrais évidemment d'abord vous saluer tous, les diplômés, vos familles qui sont là, parce que c'est vous les vrais héros de cette soirée. Je remercie monsieur le doyen de ce choix. Je suis donc honoré, je l'ai dit, mais je suis aussi ému parce que cette école de droit, elle a beaucoup compté et elle signifie encore et toujours beaucoup de choses, tant dans ma vie personnelle en tant que maire de Clermont-Ferrand. En tant que vice-doyen, directrice des études, je me dois bien évidemment de vous féliciter pour votre réussite. Nous allons fêter dignement celle-ci. Nous sommes fiers de vous. L'obtention de votre diplôme vient récompenser vos efforts, le soutien de vos proches.
C'est grâce à eux aussi qu'on ressort de la faculté avec une aussi grande fierté.
Dans un temps où les choses paraissent de plus en plus incertaines, troublées, anxiogènes, l'université doit rester, comme elle l'a toujours été, un repère, un lieu de débat, un lieu de réflexion, de recherche, ouvert, tolérant, rationnel. Au moment où nous nous interrogeons sur cette société de l'émotion, c'est bien à la raison que nous devons faire appel, et les enseignants en sont des vecteurs capitaux.